célèbre de la Bible, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fut un prophète envoyé par Dieu pour préparer son peuple en vue de la venue de Jésus, le Messie. Dans leurs vieux jours, ses parents, Zacharie et Élisabeth, furent informés par un ange qu'ils auraient ce fils. Jean-Baptiste était emparenté avec Jésus et n'avait que quelques mois de plus que lui. Jean-Baptiste vécut dans le désert de Judée jusqu'au moment où Dieu l'appela à être prophète. Des foules vinrent écouter la prédication de Jean-Baptiste. Il disait, « Détournez-vous de vos péchés et soyez baptisés. Dieu vous accordera son pardon. » Bien que Jésus n'ait pas commis de péché, il demanda à Jean-Baptiste de le baptiser dans le Jourdain pour montrer son obéissance à Dieu. Plus tard, le roi Hérode fit jeter Jean-Baptiste en prison parce que celui-ci avait condamné son mariage avec Hérodiade. De sa prison, Jean-Baptiste envoya ses disciples demander à Jésus s'il était celui qui doit venir. Jésus lui répondit, « Allez apporter à Jean-Baptiste ce que vous entendez et voyez. Les malades guérissent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Puis il dit à la foule, « Jean est plus qu'un prophète. Parmi les hommes, il ne s'est pas levé de plus grand que lui. » Bientôt après, le roi Hérode fit décapiter Jean-Baptiste. Plusieurs textes du Nouveau Testament mentionnent Jean-Baptiste, notamment Luc chapitre 1, chapitre 3, chapitre 7, versets 18 à 35, Matthieu chapitre 3, chapitre 11, chapitre 14, versets 1 à 12, Saint Marc chapitre 1, Saint Marc chapitre 6.